aujourd'hui, deuxième partie de l'émission sur le Bureau Monp avec Charles Spetton. Je vous propose en deux fois parce que je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il avait raconté, même si j'ai coupé certaines parties. Ça vous permet de savoir un petit peu plus sur le Bureau Monp. Et puis à la fin de l'émission, une surprise musicale avec Mr. Lewis, qui est l'institut de Salomé à Holloway Park. Et mais dans le 18e, quelques personnes avaient faire reconstruction de cette chapelle totalement neuf. Et ce bâtiment qui reste maintenant par la fenêtre ici, quand je pars, ce petit bâtiment ruiné démontrait quelque chose qui avait manqué, parce que c'était jamais complet. Les fabricants n'ont jamais terminé. Ça reste comme ça. Ce ruine, c'est comme ils avaient laissé le bâtiment. C'est jamais utilisé comme chapelle. C'est comme on dit en anglais, c'est presque comme une folie. En anglais, c'est incomplet. C'est aussi regardé par des gens, quelques gens, un endroit mystique. Vous connaissez le... Moi, je n'ai pas confiance, mais il y a une petite idée qu'il y a des lignes qui sont dire « ley lines ». Ce sont les lignes qui connectait des endroits préhistoriques, sacrés et choses comme ça. Et celui-là, c'est sur un grand lay qui passe de Conway jusqu'à, je sais pas, loin, où sont trouvés tous les bâtiments sont dédiqués à Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, ça commence, et donc c'est comme ça. Le dernier gentilhomme qui avait possédé le MUMP avait laissé le MUMP sur son décès à le National Trust d'Angleterre pour mémorial de tous les hommes et les femmes de Somerset qui ont décédé, tués dans la guerre dernière. Et pour la photographie et pour les artistes, ça reste étonnant parce que on pourrait marcher toute la vie dans ce paysage et trouver des vues nouvelles de ce bâtiment. God's children, God's swing.